Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Mad Eater. Alors, c'est un jeu de... Ah, il est de côté. Non, il est là ou il est là? Alors, c'est un jeu de requin où vous devez bouffer des autres poissons. Des autres... Ah, je vais y arriver, il est où? Il est là. Voilà. Mort, il est pas mort, il est mort. Bouffer d'autres poissons, cibles, requins, humains, tout ce que vous trouvez sur le passage pour pouvoir monter en niveau. Franchement, j'aime pas mal. Donc là, je vais essayer de me faire un petit alligator. J'en ai vu un niveau 8 tout à l'heure. Bon, je suis pas très haut niveau, je suis que niveau 4. Et je sais pas si je suis amélioré à fond. Là, il y en a un, là. Niveau 8. On va voir si je suis assez fort pour l'affronter. Il est où? Il est là. Tiens, tiens, un coup de queue. Oh putain, toute ma vie que j'ai perdu. Alligator niveau 8, oh putain! On va essayer de bouffer d'autres poissons, essayer de l'avoir comme ça. Ah! Ah, faut l'avoir quand il est jaune, quand il est jaune en fait. Oh putain, il va le défoncer, je vais essayer de nous faire un autre poisson là. Allez, avance! C'est pas ouf, là David! Ouais. Quand il est jaune comme ça, on peut le bouffer. On rase vite un poisson. Un poisson quelque part. Vite, vite, un poisson. Un poisson comme par hasard. Pas de poisson. Putain. C'est bon, je l'ai tué. Il y a plein à bouffer là. Tiens. Par contre, l'image est très sombre. Hein, par contre, voilà. Et voilà, je me suis fait un petit alligator. Moi, bon, pas... T'es obligé. Alligator, il est chaud, hein. Vous voyez, en fait, il faut... Pour le tuer, il faut faire des coups d'esquive. Dès qu'il est jaune brillant, c'est le moment de l'attaquer. Dès que vous avez de la vie... Perdez de la vie, allez chercher du poisson, allez bouffer un poisson. Il vous suit en plus, donc ça va. Moi, ça va, après, je me suis affronté qu'à niveau 8. C'est un niveau 15. Je pense que je suis un peu trop petit pour niveau 15. Donc voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et sur ce, bonne journée à vous!